tu fais? Tu viens pour une chambre avec moi, tu me plies le retour. La légende est cola. Avec quoi? C'est mon exercice, non? Allons-y alors. On va bagarrer pendant 5 jours. Tu veux bagarrer? Tu veux bagarrer? Mais tu fais, tu veux bagarrer? Tu veux bagarrer? Mais tu fais, tu veux bagarrer? Les gens. Les gens. Un plat pour la table du fond. À vos ordres, ma passe. Hein? C'est moi. Voilà. C'est ça là. Attends, je vais te faire. Mais c'est quelle manière ça? Vous pensez que je vais payer ça? C'est la manière de la maison et. Oui. Moi, vous allez payer ce je plat. Ne veux plus manger ça. Attends, tu manges plus. Du coup, ça fait un peu plus pour moi, non? Quand on ne blague pas avec la nourriture. Tu peux imaginer combien les gens ont fait toute la matinée sans manger. Man, c'est trop. En tout cas, payez-le vous-même. Mon ami, si tu comptes partir sans payer ça, détrompe-toi. Hein? Tu as commandé, tu payes. Je ne paye pas. Mon ami, tu vas payer le plat là. Je ne paye pas. Tu payes ça. Qu'est-ce que là-bas. Ici. Lijo dit qu'il ne paye pas le plat là. Ça dit qu'il passe une commande et il dit qu'il ne paye pas ça. Madame, si c'est comme ça que vous recevez les gens dans ce restaurant, je ne viendrai plus manger ici. Qui t'a d'abord appelé ici? Tu viens, on te sert même la nourriture d'hier, tu ne te rends pas compte. Tu veux te taire? Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous rendez compte? Je commande un plat et au moment de me servir le plat, il se permet de tremper ses mains à l'intérieur. Et de ce quoi il s'en accapare. Et quand je veux me plaindre, il me demande de payer le plat là. Ça c'est le monchon, c'est le monchon. Tu es trop chiche toi là. Tu es trop chiche. Parce que j'ai goûté même un peu sa nourriture pour lui faire bon appétit. Il se fâche à outrance, il se vexe. Encore toi qui mets tes doigts dans la nourriture des clients. Mais c'est pas possible. Monsieur, nous nous excusons vraiment. Si elle s'excuse, moi je ne m'excuse pas. Tu es trop chiche toi là. Hein, juste parce que j'ai goûté un peu ta nourriture comme ça là, tu fais de ça tout un drame. Chicha! Viens. Toi, je ne veux plus te voir dans mon restaurant. J'en ai marre de toi. Quand toi-même tu me laisses à manger depuis le matin, tu penses qu'elle vit comment? Mais ce n'est pas mon problème, je m'en fiche. Et puis tu es viré. Hé, hey, tiens. Si je suis viré, comment alors mon argent est parti? Avec tous les clients que tu m'as fait perdre là, tu crois que je vais encore te payer? Attends, reste. Depuis là, tu es en train de faire tes choses là, je te regarde. Ne pense pas que j'ai peur de toi. Hein? Si tu es une femme, bouge seulement sans me donner mon argent. Ok. Attends. Viens, prends ton argent. Viens. Reste, ne me gifle plus. Si tu me gifles encore, je te rends. Voilà ça. Je ne vais pas taper sur une femme. Hein? Je te tape. Si tu es une femme, trouve-moi en route. Elle lui demande de me payer mon salaire, elle me casse la dent. Elle me prend même pas à l'acheter, elle m'assomme la poêle, mon frère. Je sentais la poêle arriver sur mon visage comme la bombe atomique sur Hiroshima. Mais moi, je me vengeais. Hein. Je ne veux pas laisser ma dame partir comme ça, Joe. Je me vengeais. Un petit gars, il goûte même un peu ses spaghettis comme ça, il pleure comme un bébé. Et puis le matin, quelqu'un n'a pas mangé, il goûte même un peu, quelqu'un pleure juste pour le spaghetti. Le spaghetti. Tes conneries que tu viens faire à côté de moi là, que tu es fou. Si tu traverses mes 550, je vais te gifler. Tu vas voir la puissance du chat mort. Encore quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur ce matin. Je vais te transmettre ma mauvaise humeur si tu t'approches seulement de moi. Je te dis ça. Ce n'est pas parce que je suis fou que tu vas me prendre pour un fou. Hein? Tu connais les choses que seuls les fous connaissent. Tu as la gueule de quelqu'un qui a les problèmes. Et tu as besoin d'un bon mentor.
C'est toi qui auras besoin d'un mentor tout à l'heure. Qu'elle va te donner ça. Ça. Quand je t'ai vu, ton qui m'a frappé. Je connais quelqu'un qui veut te transformer en un super guerrier. Tactique du serpent volant. Du cobra fâché. Et dès demain, tu deviens un ancien combattant. Je vais t'indiquer le chemin. Il va m'apprendre à me bagarrer. Plus que ça. Un tiers à cage. Je t'aime, je lui. Dès demain, tu es guerrier. Il a même mal à la dent. Il m'a dit ça. Alors, mais si tu donnes mon chocolat, tu ne m'as même pas choisi, tu vas voir ce qu'il te fait. Ça va, le chocolat. Chocolat. Je t'amène, tu l'honnêtes. Avance. Sinon, je t'applique, même si c'est le gros plat. Je vais les cambar comme un filon, je les fume un tour. Même si tu viens avec les machettes, on m'appelle machette. Petit frère, depuis quand les coups d'équipe peuvent contrer les coups d'équipe. Nous, j'ai les retours partout. Chip, on m'a dit que c'est ici qu'on... On ne me touche pas quand je suis en train de méditer. Quand je médite, mon organisme déploie une énergie semblable à la haute tension. Je suis dangereux, mon petit. Attends. Je suis comme la bombe atomique. On ne me touche pas. On ne touche pas que c'est toi, Coco Emilia. En fait, il y a le vieux fou. Le gars, il a même fui. Il y a un fou là que j'ai donné mon chocolat. Il m'a dit que c'est ici qu'on apprend le kung-fu. Donc, j'ai envie de me bagarrer pour me venger de ma passée. Tu te crois dans un film chinois ici? Il n'y a pas ça ici. Ici, c'est la boxe villageoise. La boxe villageoise. Là, le plus efficace qu'il existe sur terre. Il a été inventé par mon grand-père, Anakalaka. Fontaine d'énergie. Attends, tu peux me dire que le vieux fou là, il a mangé mon chocolat. Il m'a fait manger depuis la ville là-bas jusqu'ici là. Pour me parler des bêtises de boxe villageoise. Moi, pas le kung-fu. Assez. Je t'interdis de mal parler de la boxe villageoise. C'est un art de valeur valable aux Africains. Merci. Et laisse-moi te dire que quiconque franchit cette montagne sacrée ressort ici avec un esprit de bagarreur. Tu crois que tu vas me retenir ici pour apprendre tes pépettes là? Viens, allons m'arrêter, moi je m'en vais. Shkundo. Je ne vais pas taper sur un vieillard aujourd'hui. Je ne vais pas taper sur un vieillard. Krokundo. Tu crois que le doigt de qui? C'est la bagarre que tu... C'est la bagarre que tu veux. C'est la bagarre que tu veux. Ça, c'est quelle technique? C'est la bagarre que tu veux. Viens, non? Toi, tu mérites une bête qu'on réchauffe. Viens, viens, viens. C'est la bagarre que tu veux. Allez! Allez, Shkundo! Laisse mon pied, laisse mon pied. C'est moi, toi. Tu laisses pas mon pied. Attends, je prends le goudin. Aïe, t'es tapé. Rentre chez toi. Oui, ça va, je vais prendre. Mais tu vas prendre. Tu promets de te soumettre à toutes les règles de la bourse villageoise? Oui, mais tu vas prendre, Et à être soumis? Je vais prendre. L'humilité? Je vais prendre. Il faut d'abord que tu maîtrises ton ki. D'accord, je vais maîtriser mon cul. Pas ton cul, ton ki. D'accord, maître. C'est ton énergie interne, l'orientation. D'accord, maître. Tu te transformes en énergie nucléaire. D'accord, maître. Tu foudroies l'adversaire. D'accord, maître. Alors, suis-moi. Hey.
La boxe villageoise est un art de bagarre. Et non de combat. Ton seul but est de vaincre l'adversaire. Il a été inventé par mon grand-père, la Kalaka. Je suis le dernier disciple, le possesseur de la technique sacrée, Kisugamune. Quand j'ai fait... Tu ne te souviens plus de rien. À présent, je suis une fontaine d'énergie. Coup de dents accéléré. Coup de tête. Attaque du bâton. Non, pas mon bâton. Attaque du sable. Lâche Kundo. Fouille Kundo. Tu es maintenant une source d'énergie. Préparé au combat. Personne ne peut plus lever le poing contre toi. Il n'a pas le niveau. Tu es une force de destruction. Une arme massive, nucléaire. Même pas moi. Même Francis Ganou ne peut plus lever le poing. Il n'a même pas le niveau. Mais... Ouais. Toi, tu as le Riva. 13 km en force de destruction. Maintenant, tu es champion préparé au combat. Vas-y, explore la nature. Merci, maître. Il a du cran, lui. Ce qui me plaît, il encaisse bien. Ça veut dire qu'il ne pourra pas mourir. Seul un esprit tordu pourra acquérir de la force villageoise. La bagarre. Mais tu fais, tu veux bagarrer. Tu veux bagarrer. Mais tu fais, tu veux bagarrer. Tu veux bagarrer. Mais tu fais, tu veux bagarrer. Maintenant que je suis fort là, non. Je vais d'abord aller voir ma passée. Je vais lui régler son compte. Je vais lui faire. Elle va comprendre. Après, ça veut chercher le monsieur qui avait le spaghetti là. Un vieux monsieur qui pleure le spaghetti comme un enfant, il pleure Charles. Et dès que j'arrive dans toute la ville, Yaoundé, Douala, là, je mène les sèmes la terreur. On confirme que c'est la légende. Trop fort. Premier du nom. 13 km en boxe villageoise. Oui. Ils viennent faire quoi sur la montagne de mon maître? Oh, 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 oh. Qui vous a donné l'autorisation de venir vous entraîner sur la montagne de mon maître? Écoutez, hein, ici là, toute la montagne là, c'est la montagne de mon maître. Et ici, on ne fait que la boxe villageoise. Donc votre petite danse que vous venez danser là, on ne veut pas ça ici. Donc dégagez. C'est à nous qui s'adresse. Petit, quand tu t'adresses à moi, baisse les yeux parce que tu es en train de t'adresser à un maître en boxe villageoise. 13 km en boxe villageoise. C'est qui ce guignol? C'est moi que tu appelles guignol. Ok. Regarde, toi je ne vais pas te taper directement hein, parce que si tu tapes directement, on va dire que la légende a tapé un enfant pour elle. Moi je te donne l'avantage. Donne le premier coup de poing. Non, je ne vais pas bloquer. Donne le premier coup de poing, vas-y. Qui éteint la lumière? Regarde, c'est comme un bout de manche. On te donne l'avantage, on te met à frapper au lieu de taper même sur la côte. Toi tu peux taper seulement sur l'œil. On ne voit même plus bien. Hey. Ok, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes 1000, non, je vous prends. Parce que je suis la légende. Premier du nom. 13 km en boxe villageoise. Vous m'avez pris par la lâcheté, non? Vous m'avez pris par la lâcheté et pas appelé mon père. Vaut mieux lâche vivant qu'un euro mort. Et non, qu'il y a, non, non. Tu veux bagarrer, tu veux bagarrer, mais tu fais, tu veux bagarrer. Tu veux bagarrer, mais tu fais, tu veux bagarrer. Tu veux bagarrer, mais tu fais, tu veux bagarrer. Je vous salue, maître Colosse. Mon élève que voici vient de se faire bastiquer par vous. Ils m'ont pris par la lâcheté. Parce que si j'étais dans mes vrais jours, non. Ici, c'est une montagne sacrée. C'est une montagne sainte. C'est le royaume du grand maître Alakalaka. Vous n'avez rien à faire ici. Bon, là, avec eux. Ici, c'est la montagne du grand maître Alakalaka. En plus, vous avez cassé le nez de mon élève. Bon, pour réparer les dégâts,
J'avais juré de ne plus jamais me battre auprès du grand maître à la Kalaka. Mais comme vous avez fait, vous avez commis la violence sur mon disciple. Aujourd'hui, il va se battre. Mais à travers toi, je vais utiliser ton corps pour me battre contre eux. Moi, je vais encore aller bagarrer. Non, ce n'est pas toi qui vas bagarrer, c'est moi. Mais je vais m'incarner dans ton corps. Je vais utiliser le système greffage. Tu vas te battre. Il faut croire en toi. Même si l'adversaire, ils sont 20, 30. Dès que tu as cru que tu les as tous massacrés, tu vas les massacrer. Je vais m'incarner à toi. Encore? Ouais. Prenez garde. Passez. Même avec le costaud aussi. Tu pourras. Même avec lui. La légère position. Sois concentré. Bigaro. Attaque. Yeah. Oh la légende, on n'attaque pas comme ça, technique Picayo Kayo. Il faut être en posture, posture, posture. C'est déjà au combat. Tu vas tester une autre technique. D'accord, mec. Isuka Mune. Attaque. Yeah. Oh. Non, la légende. Il faut te protéger en faisant le Isuka Mune. C'est une technique très efficace. Alors tu vas charger parce qu'il connaît c'est à l'autre là. Position. Heba. Yeah. Allez, Jean. Le Heba ne se donne pas comme ça. Allez, Jean, position. On reste concentré. Égaré. Allez, tac. Yeah. Allez, Jean. On n'attaque pas un Pigaré comme ça. Il faut contrôler tes écarts. Yeah. Heba. Position. Heba. Dégager le cri. Prochainement, même si elle est touchée, tu vas les avoir. Personne.